Fun Radio Solen Dance, c'était Private avec One Chance sur Fun Radio. Et sur Fun Radio, à 23h et des petites bricoles, on va interviewer notre camarade de la soirée, puisque vous le savez, chaque vendredi soir sur Fun Radio et dans la Soul Station, on a un DJ, un chanteur, un rappeur, un hip-hopper, enfin vous les appelez comme vous voulez, là en l'occurrence c'est un DJ un petit peu old school, je voudrais que l'on salue sur Fun Radio Nabil, bonsoir. Bonsoir à tous. Nabil, tu es donc old school, hein, c'est-à-dire qu'en fait tu mets beaucoup de vieux funk, de vieille musique branchée des années 70 et 80 dans tes soirées, c'est ça ? C'est effectivement ça, mais si je puis dire, old school ne veut pas dire vieux. Hein, D'accord, qu'est-ce que ça veut dire alors exactement old school ? Old school, en fait, on arrive sur les bases de ce qui a été produit au début des années 70 et donc, 80. Plus précisément soul music. Soul music, funk music. On laisse un peu le disco de côté parce que trop commercial ou parce que... On va dire que le disco est rentré, je veux dire, dans un produit marketing et... Ça y a eu trop le côté produit d'accord. Avec c'est, le disco d'aujourd'hui, c'est de la dance quoi, je veux dire, c'est du pouet-pouet. On va dire que c'est de la danse. Bien. Alors toi tu joues dans tes soirées donc plutôt branché funky et choses comme ça. Donc quels sont par exemple tes disques de prédilection, les choses que tu mets absolument qui sont sûres et certaines de faire lever le cul des gens de la piste ? Bah il y a les classiques hein, on va dire Chic, Swing on Fire. Mais j'ai mes titres à moi. Par exemple, le gars, il vient, il te dit, le patron, il te dit, Nabil, voilà, maintenant, là, il faut que tu me les fasses lever. T'as vraiment le titre qui les fait lever ? Je pense. Tu penses ? Et ben, ce serait... Écoute, il y a des versions originales, en fait, donc tu serais... étonné de savoir. Étonné. Ouais. Et sur lesquels, je veux dire, beaucoup de tubes se sont faits à l'heure actuelle. Et qui, je pense, remuerait pas mal de monde de par leur connaissance des titres actuels. D'accord. Alors là, par exemple, on est en boîte, tu vois, on est en boîte. Et alors, on se dit, tiens, vas-y, fais-nous danser sur un titre. Lequel tu mettrais là tout de suite ? Là tout de suite ? Ouais. Pointer Sisters. Eh ben, on l'écoute tout de suite.